tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma natural makeup routine. Cette petite routine de maquillage-là, ça fait plusieurs temps que je l'ai, mais elle a changé depuis la dernière vidéo que j'ai fait sur ce sujet-là qui date de comme 1 an et demi, 2 ans. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je me maquille, quand je me maquille, parce qu'on s'entend qu'avec le coronavirus, je sors beaucoup moins, je me maquille beaucoup moins, puis quand je sors, c'est souvent pour des petites commissions. Fait que je me maquille pas beaucoup, mais quand je me maquille, c'est cette routine-là que j'ai fait. Fait que juste avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. On est presque 1140 abonnés sur ma chaîne. J'en reviens juste pas que vous êtes encore là, jour après jour, vidéo après vidéo, année après année, à commenter mes vidéos, à liker, à les écouter, juste à être là, à me supporter. Merci énormément, je vous adore. Donc sur ce, c'est parti. Comme vous pouvez voir, je sors de la douche, mes cheveux sont mouillés. Fait que je veux pas comme mettre de produit dedans, puis en fait je veux jamais mettre de produit dedans, fait que je dois trouver le moyen de me faire une couette adéquate pour cette vidéo-là. J'ai oublié de vous dire, mon miroir est juste là, donc si je regarde dans ces environs-là, c'est normal. Je vais essayer de me faire une queue de cheval à la Noémie Lacerte. Est-ce que genre j'ai l'air d'un monstre ou comme c'est pas si pire que ça? Ah! Oh! Ouais gars, je suis vraiment désolée, ça fait comme 3 vidéos que je tourne avec ce petit manteau-là, mais il est tellement confortable, puis comme j'attends encore ma commande avec une veste juste basic, fait que I guess que quand je vais avoir une veste un peu plus basic, je vais porter autre chose que ça, mais pour le moment, vous allez m'endurer avec. Ok, fait que I guess que j'ai réussi à me faire une couette pas pire. Fait que là, la première étape que je fais, c'est je me lave le visage, puis j'utilise tout le temps mon nettoyant de chez Marcel. C'est un nettoyant en gel ultra doux parce que j'ai la peau assez sensible. Aussi, ça hydrate bien la peau. Fait que je me nettoie le visage. Ça dit sur la bouteille, on va appeler ça une bouteille, que tu peux le faire à sec ou mouillé. Personnellement, je préfère deux fois mieux quand c'est sec parce que je trouve que ça va mille fois mieux pour étendre puis vraiment aller chercher la crasse. Fait que dans le fond, je fais juste faire des petits ronds comme ça partout, surtout sur la nez. C'est là que est vraiment comme tout le côté gras, tout ce qui est gras dans le visage. Surtout ici, avec les masques et tout quand on porte, on s'entend que toute la crasse se ramasse autour de ton nez et ici. C'est vraiment important et ce qui est vraiment, vraiment, vraiment cool avec ce nettoyant-là, c'est que tu peux en mettre sur tes yeux. Fait comme ça agit autant de démaquillant que de nettoyant, fait que tu peux en mettre sur tes yeux, il n'y a aucun problème, c'est comme la chose la plus douce pour tes yeux, honnêtement, c'est in. J'ai tellement de la misère à faire deux choses en même temps, je sais pas ça va donner quoi cette vidéo-là. Fait qu'après, je viens tout enlever mon nettoyant de mon visage, juste parce qu'avec une débarbouillette, ça va tellement mieux qu'à l'eau, et ça enlève plus la crasse tout simplement, parce que c'est plus raide que de l'eau. Fait que je vais avoir le visage rouge pendant une couple de minutes, fait que je vais attendre avant de commencer, mais voilà. Ok, fait que ça fait 5 minutes, j'avais été me mettre de la crème, j'avais oublié d'amener ma crème, fait que j'ai été m'en mettre. Et là, mon visage est nettoyé et hydraté. C'est une chose qui est tellement importante d'hydrater sa peau parce que sinon ça peut faire des rougeurs sur le visage puis on s'entend, c'est pas très cool. La première étape de mon maquillage, c'est toujours de mettre mon fond de teint de Maybelline. C'est le Fit Me en shade 112. Si vous êtes sur ma chaîne depuis ma dernière vidéo de make-up de YouTube, une couple de temps, j'utilise encore le même fond de teint, donc le Fit Me. Il est juste insane, il couvre bien. Je trouve qu'il fait un peu paraître les pores un peu trop, dans le sens qu'il prend la forme de la peau au lieu de vraiment la couvrir. Je sais pas si c'est clair, mais comme c'est peut-être juste parce qu'il est vieux aussi. Ça va prendre du temps avant qu'il coule parce qu'il en reste plus beaucoup, mais j'en mets sur mon Beauty Blender. Je peux vous dire, guys, que j'ai upgradé en make-up depuis la dernière vidéo. Je me suis acheté un Beauty Blender. Ok, fait que je vais me tourner un peu là. Mais dans le fond, j'en mets tout le temps plus dans le bas en premier. Parce que je vais en mettre dans mon cou, puis c'est vraiment là la portion la plus importante. Puis j'en mets vraiment pas beaucoup parce que j'en ai pas besoin beaucoup. C'est juste que je fais énormément de rougeur sur les joues ces temps-ci. Fait que j'ai fini avec mon fond de teint. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mis énormément de fond de teint. J'en ai mis un peu dans mon cou juste pour balancer les couleurs de peau pour que ça ait l'air assez naturel. Et comme vous pouvez voir, j'en mets vraiment pas beaucoup.
parce que j'ai des taches de rousseur, puis si j'en mets beaucoup, ça va toutes les estomper, toutes les effacer, puis ils paraîtront plus, puis je trouve ça vraiment comme vide dans mon visage sans taches de rousseur. Tu sais qu'il y en a qui aiment pas ça avoir ça, mais moi j'en ai depuis que je suis toute petite, fait comme les enlever, c'est comme si je disparaissais, comme si c'était vraiment pas moi, fait que je veux garder ça le plus naturel possible. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup, comme ça je laisse mes taches de rousseur paraître un petit peu. La deuxième étape, et on peut dire l'avant-dernière, c'est mon dieu, j'avais un cheveu. J'ai vraiment de la misère ces temps-ci avec ma gorge, comme les changements de température, ça le fait pas pantoute. Fait que dans le fond, ce que je disais avant de m'étouffer, c'est que... Calice, il y a encore un cheveu. Prise 3. Fait que la deuxième étape, c'est de venir appliquer mon cache-cerne de Marqué. Honnêtement, dans ma dernière vidéo, je pense que je disais que le cache-cerne Fit Me que j'utilisais, c'était comme one of the best. Mais actually, c'était genre le seul que j'avais essayé. Mais maintenant que j'ai celui-là, ok, la shade, c'est... j'ai aucune idée c'est quoi la shade, honnêtement. Il fonctionne super bien, il est couvrant, mais il est super lumineux. Je dirais pas qu'il est couvrant sombre, mais il est super lumineux, ce qui donne un teint naturel, puis super beau, puis comme je capote dessus, puis super abordable aussi. Je viens en mettre comme dans le coin ici. Je viens aussi en mettre sur le menton, puis dans les coins ici du nez, c'est vraiment chic, honnêtement. En ce moment, j'hésite entre un raton laveur puis une indienne. Je vais estomper avec la pointe plus pointue de mon Beauty Blender en dessous de mes yeux pour que ça soit plus étendu puis que ça fasse un fini vraiment beau. Oh mon dieu, je peux pas parler en même temps de faire ça. Tellement pas capable de me concentrer sur deux choses en même temps quand il faut que je parle. Puis que je fasse de quoi. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'ai fini d'estomper un œil avec mon Beauty Blender, je viens prendre comme le surplus qui est déposé sur mon Beauty Blender, puis je viens l'étendre en haut de mon œil parce que j'ai tendance à avoir vraiment les paupières foncées. Puis si je le fais pas, ça fait vraiment comme si mes yeux y rentraient parce que c'est vraiment foncé. Fait que j'ai fini avec le cache-cerne et le fond de teint, et comme je vous l'ai dit, j'aime que ça soit naturel, léger, puis que honnêtement, je pense qu'il y a une partie de moi qui est trop paresseuse le soir pour enlever beaucoup de maquillage. Fait que c'est un peu pour ça aussi que j'aime ça garder simple. Mais je trouve aussi que tout ce qui est naturel est mille fois plus beau que tout ce qui est full trop make-up. Je veux dire, il y en a qui sont super bons dans le make-up puis comme je trouve ça beau. Mais je veux dire, ça battra jamais l'authenticité d'un visage comme pas de maquillage ou presque pas maquillé. La dernière étape, c'est l'étape du mascara. Puis pour appliquer ça, j'utilise souvent mon recourbeur de cils. Même si j'ai les cils déjà recourbés de base, j'aime ça venir les recourber pour que ça donne un air super démonstratif, que mes yeux soient vraiment ouverts, puis qu'on voit bien mon regard, parce que je trouve que mon regard, c'est ce qui me définit le plus. J'aime vraiment mon regard, comme c'est vraiment une chose que j'aime. Puis j'aime mes yeux au naturel, mais quand j'ai du mascara, je trouve que mes yeux font genre... wow. Je veux recourber mes cils pour donner à mes yeux un regard plus intense. J'ai tout le temps la misère à parler en même temps que je le fais. J'ai tout le temps peur de me pogner genre la paupière. Fait que la dernière étape, et non la moindre, c'est l'application du mascara. J'utilise le L'Oréal Voluminous. Je prends tout le temps des brosses courbées parce que je trouve juste que ça va tellement mieux. Puis ça fait extrêmement longtemps que j'ai... Je viens tout le temps l'appliquer dans le bas, puis je fais tout le temps comme des mouvements zigzagués jusqu'à... dans le bout des cils. Je trouve que c'est là que ça permet de les séparer puis que ça fasse pas de motons, parce que sinon, si ça fait des motons, je trouve que c'est comme vraiment dérangeant puis vraiment fatigant à essayer de défaire. Et c'est tout le temps le deuxième œil qui est plus beau, j'ai aucune idée pourquoi. Dites-moi en commentaire, vous, quel œil est le plus beau, le premier ou le deuxième? Techniquement, mes yeux sont finis, mais je vais faire un peu le bas. Dans le fond, pour mon mascara, j'en mets un peu plus en haut. J'essaie que mes cils soient toutes séparées puis qu'il n'y ait pas de moton. Puis en bas, j'essaie juste de faire ressortir mes cils. Je ne vais pas en mettre énormément. First, j'ai pas assez de talent pour ça. Puis deuxièmement, ben parce que ça m'arrive tout le temps, mais à toutes les fois que j'en mets sur ma peau, puis ça fait juste vraiment pas beau. Fait que j'en mets juste un peu en bas, juste pour faire ressortir mes yeux. Alors voilà, guys, le résultat final. Donc c'est quelque chose de super naturel, assez glowy. Comme vous avez pu voir, je mets pas de... poudre pour tenir le tout, parce que je trouve que ça fait trop motonneux sur ma peau. C'est ma perception à moi, mais sur ma peau ça marche vraiment pas, ces poudres là j'ai pas essayé de la poudre libre ou de la poudre compacte blanche. J'ai juste de la poudre matifiante. Alors voilà, guys, c'est déjà tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à vous abonner, parce que bah, c'est gratuit et ça fait vraiment plaisir à mon petit cœur à moi. Alors sur ce, nous on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye, guys!